La Guadeloupe, ce petit archipel sympathique bordé par la mer des Caraïbes, ne compte que 3 établissements REP+. Le plus petit collège de la Basse-Terre, le plus petit collège de la Grande-Terre, le plus petit collège de Saint-Martin. 4,7% des élèves guadeloupéens bénéficient des moyens REP. Il faut dire que les statistiques de ce petit archipel des Antilles françaises sont extraordinaires. 3,5 fois plus de chômage des 18-24 ans qu'en Seine-Saint-Denis. 3 fois plus de chômeurs que la moyenne nationale. 4 fois plus d'homicides qu'en Seine-Saint-Denis et 2 fois plus qu'en Martinique. 52% de familles monoparentales, soit 2 fois et demi la moyenne nationale. Un PIB par habitant 33% inférieur à la moyenne nationale. Et pour couronner le tout, 30% des jeunes guadeloupéens de 17 ans ne comprennent pas ce qu'ils lisent selon le ministère de la Défense. 1 000 d'élèves par an quittent le système scolaire sans aucun diplôme. Aujourd'hui, n'importe quel établissement de Guadeloupe placé dans n'importe quelle autre académie serait classé immédiatement en éducation prioritaire. Il y a urgence pour la Guadeloupe. Nos camarades de Guyane ont montré la voie. Nous aussi demandons classement d'ensemble de l'académie en éducation prioritaire. La politique de l'égalité des chances qui met tout le monde sur la même ligne de départ pour vérifier que seule une élite a réussi, a vécu. Aujourd'hui, il faut une politique ambitieuse de discrimination positive pour que les Guadeloupéens qui ont montré à toutes les élections leur attachement à la République puissent bénéficier d'une égalité et d'une solidarité à hauteur des besoins. Ni utile dans le désert qu'une seule goutte d'eau qui rêve tout bas. Dans le désert, ni utile qu'une graine volante qui rêve tout haut, rêve Aimé Césaire. La jeunesse guadeloupéenne ne veut plus rêver de meilleures conditions de travail. Les enseignants ne veulent plus rêver de classes à effectifs réduits et des heures de concertation. La Guadeloupe veut le classement immédiat de toute l'académie en éducation prioritaire. Notre académie se réjouit que le texte soit intégré dans le texte action. Et par ailleurs, nos camarades de Mayotte et des communes du Pacifique demandent aussi à être intégrés dans ce paragraphe. Merci. Merci Guillaume.